De quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de cassé? Tout. Tu es trompé. Oh, tu sais, je ne voyais pas clair et j'ai tombé à l'eau. Ma pauvre fille. Mais voyons, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont arrêté. S'ils me trouvent, je suis perdue. Arrêté? Qui? Le comte. Quel comte? Le mien. Et pourquoi? La poêle. Oh, Bouli, viens faire ça, rideau. Voilà. Alors, il n'a pas pu payer. Mais payer quoi? L'enfant qui avait acheté à crédit. Quelle salade! Fais sécher ça. Ouh, j'ai froid. Ouh. Mets ça, là. Alors, on est allé dans le dépasselet. Oui. Mais là, je n'arrivais pas. Alors, il m'a dit, alors, sois un peu gentil avec le monsieur. Ah, mais c'est dégoûtant. Ah, tu sais, Bouli, ça n'allait pas loin. Mais j'espère. Parce qu'alors, Ferdinand, il arrivait. Il faisait semblant de vouloir tout tuer. Oui. Oui, mais écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Le gendarme. Les gendarmes? Il ne faut pas qu'on te trouve ici. Oh, Pauline, ne me laisse non, pas. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Je vais prévenir Max et tout va s'arranger. Non, j'ai peur. Mais peur de quoi? Je reviens tout de suite. Dans un instant. Oh, dépêche-toi. Prenons. Bon, tu ne bouges pas d'ici, hein? Bon, si quelqu'un me demande, tu répondras que je suis malade et que je dors. Tu as compris? Tu es malade? Oui, oui, je suis malade et que je dors. Bon, que tu es malade et que tu dors. Voilà, tu diras ça à n'importe qui, hein? À n'importe qui, tu peux aller dormir tranquille. Bon. Ah non! Oh, comme tu as fait une longue boulie! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Tu voyais, je lave le bain. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Oh, tu as raison, Bouli. J'ai glacé. Comment? Tu te couches? Voyons, Agnouchka, qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, tu ne vas pas t'installer ici. Ah non, Bouli. Seulement jusqu'à l'heure de mon train. Ah bon? Et à quelle heure est-ce ton train? 6 heures demain matin. Ah non, Agnouchka, je t'assure, ça n'est pas possible. Oh, Bouli, c'est pas la première fois que je couche chez toi. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Oh, Bouli, ton lit et ton oreiller. Non, Annika. Il n'est pas fâché, mais Bouli. Mais non. Il me défendra. Mais bien sûr. Oh, Bouli, regarde, il fume. Oui. Du bien. Ça du thé à la menthe? Non, c'est du thé, mais dans mon verre à dents. Voyez-vous comme ça? Eric est là? C'est moi qui est en place. Je t'en ouvre une, petit imbécile. Je sais pas. Va lui dire que je suis là. Il dort. Ben, réveille-le. Il dort avec une dame. Oh. Viens, Carla. Écoute. Non, 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 je vais lui parler. Non, elles non, ne non. sont jamais contentes. Thank you.
C'est vous, Carla? Où est Dani? Très belle. Elle vous en va le chercher? Pas précisément. Elle demande si c'est vrai qu'il y a une femme chez vous. Oui, c'est vrai, il y a une femme chez moi. Oh. Tu peux fiche le camp? Incapable! Je vous jure, Carla, je ne pouvais pas faire autrement. C'est Dani Castérini. Mais papa l'a fait chercher partout. Il est foudrage après elle. C'est qu'elle l'a bien nue. Elle est venue se réfugier chez moi, je ne pouvais pas la laisser dehors. Elle prendra son train demain matin à 6 h. Son train? Mais la gare est surveillée. Carla, il ne faut pas qu'on l'arrête.